Écoutez le Saint du jour sur Radio Maria Libreville. Shalom, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria. Que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 24 janvier, la Sainte Église célèbre Saint François de Sales, évêque et docteur de l'Église, de 1567 à 1622. Écoutons la vie de Saint François de Sales, une vie rangée dans la douceur et la crainte de Dieu. Saint François de Sales naquit au château de Sales, en Savoie, de parents plus recommandables encore par leur piété que par la noblesse de leur sang. Nommer ce saint, c'est personnifier la vertu de douceur. Il fut le saint aimable par excellence, et sous ce rapport particulièrement, le parfait imitateur de celui qui a dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Ce sera là toujours le cachet de la gloire de François de Sales. Toutes les vertus, du reste, lui étaient chères et sa vie, depuis son enfance, nous en montre le développement progressif, constant et complet. Jeune enfant, au collège, il était le modèle de ses condisciples et dès qu'il le voyait arriver, il disait « Soyons sages, voilà le saint ». Jeune homme, il mena la vie des anges. Prêtre, il se monta digne et mule des plus grands apôtres par ses travaux et par les innombrables conversions qu'il opéra parmi les protestants. Évêque, il fut le rempart de la foi, le père de son peuple, le docteur de la piété chrétienne, le pontife incomparable. Revenons à sa douceur. Elle était si étonnante que Saint Vincent de Paul pouvait dire que Dieu doit être bon, puisque l'évêque de Genève, son ministre est si bon. Un jour, ses familiers s'indignaient des injures qu'un misérable lui adressait et se plaignaient de le voir garder le silence. « Et quoi ? » dit-il. « Voulez-vous que je perde en un instant le peu de douceur que j'ai pu acquérir par 20 ans d'efforts ?» On disait communément, écrit Sainte Jeanne de Chantal, qu'il n'y avait pas de meilleur moyen de gagner sa faveur que de lui faire du mal, et que c'était la seule vengeance qu'il sut exercer. Il avait un cœur tout à fait innocent, dit la même sainte. Jamais il ne fit aucun acte par malice ou amertume de cœur. Jamais on n'a vu un cœur si doux, si humble, si débonnaire, si gracieux et si affable qu'était le sien. Citons quelques paroles de François lui-même. « Soyez, disait-il, le plus doux que vous pourrez, et souvenez-vous que l'on prend plus de mouches avec une cuillerée de miel qu'avec 100 barils de vinaigre. S'il faut donner en quelques excès, que ce soit du côté de la douceur. Je le veux tant aimé, ce cher prochain, je le veux tant aimé. Il a plu à Dieu de faire ainsi mon cœur. Oh, quand est-ce que nous serons tout détrempés en douceur et en charité ? » Saint François de Sales mourut à Lyon le jour des saints innocents. Saint François de Sales, modèle de sainteté.
À tous ceux qui portent le précieux prénom de François, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez saints comme votre saint patron. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour le Saint du jour. Écoutez le Saint du jour sur Radio Maria Libreville.